frère de Van Gerberg avait eu vent d'une explosion magique sur Skellige. La déflagration avait détruit une vaste étendue de forêt vierge et était en lien avec la disparition de Ciri. Geralt partit donc rejoindre la magicienne sur l'archipel afin de poursuivre l'enquête sur Ciri. Hélas, le druide Sakasuri n'avait aucunement l'intention de laisser la magicienne examiner la forêt détruite. Geralt et Yennefer allaient voir le Jarl Krahr Ancret qui les aida à infléchir la résolution du druide. Bonsoir et bienvenue pour le 32e épisode de The Witcher 3 en version next-gen. Alors, on est où ? On est sur l'archipel de Skellige. Plus précisément, on est sur une petite île au port Uriala, au nord de l'archipel. Qu'est-ce qui nous a mené là-bas ? Tout simplement pour trouver les schémas de l'école de l'ours. Au premier niveau. Donc on va voir si on peut. On peut y accéder, je pense que oui. Parce que la tour du magicien, elle est là-bas. Elle doit être vers l'ouest. Et c'est une mission niveau 30. Donc une mission niveau 30 avec un personnage qui a un équipement niveau 20. Ça me paraît un peu ambitieux. D'autant plus que on a d'autres missions de niveau bien inférieur à réaliser. Mais les escadrons noirs ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Tâche de te rappeler. Ça. J'aimerais bien savoir ce qui nous attend. Des Erinia ? Des trolls ? Insectoïde. Magnifique. Perfect. Alors, est-ce qu'on est sur la bonne piste? J'ai des doutes. Ouais, j'ai des doutes. C'est un ours ? C'est pas un ours, ça, c'est un monstre. Que Freya te protège. Ne t'en fais pas pour moi. Si j'échoue, tu m'oublieras vite. Ne dis pas ça. Seuls les guerriers méritent qu'on...
se souviennent. Pour un troll. Si on n'est pas obligé de le combattre, le troll, on verra ça plus tard. Je pense que je suis pas le bon chemin là. Oh là 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 là. Non, là ça va être la punition. Ça va être leur tour de bâton. La vengeance des lapins. Au secours, à l'aide. Bon, un troll, ça fait partie de, des androïdes, je crois. Contre les androïdes. Hola, hola. Pourquoi ils disent au feu? Lol. Je vais essayer les bombes de poison. Décidément là, enfin un massacre chez les lapins là.
Les sirènes. A priori, je dirais ça fait partie de la catégorie des hybrides. Il y a vraiment quelque chose en bas ou c'est au cas où on tombe? Non. On va être curieux. Tu me laisses pas le choix. Ça va être compliqué. C'est peut-être un bon endroit pour les combattre ici. Zut. Alors avec la gestion de la caméra, c'est un peu compliqué ici. Bonsoir. Elle a pris cher, elle est partie en morceaux.
C'est vraiment hasardeux de combattre ici. Et flûte. Non. Là, je suis bloqué. Là. Ah, ouf. Non, l'épée en argent. À moitié buggé, c'est bizarre. On peut pas les looter. Bon, ok, on va pas descendre juste pour ça. Il faut pas tomber, sinon la chute va être rude. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est par où? Par là peut-être. Oula, j'aime pas ça là. Une sorte de bascule. C'est assez malsain. Ça va mal finir. Ah, il veut pas sauter. Je sens que c'est faisable, hein. Ah voilà. Tout ça pour une pipe et des graines. Oh là là, oh j'ai eu peur là. C'est bon l'escalade là. De la magie, c'est un site d'énergie.
Ok. En fait, je viens de faire une quête sans vouloir la faire. On va sauvegarder ici, juste par sécurité, parce que je me sens pas refaire le parcours. Ok. D'accord. Il faut aller le chercher, ce plan. Hein. Il y a une bombe qui est peut-être efficace contre les spectres. Parce qu'ils empêchent de se transformer. Okay. Thank you.
suis pas avec la bonne épée ou quoi? Bah si, je suis en épée en argent. Oh, ça va être compliqué. Verrouillé. Y a rien dans le tonneau ni dans la caisse. On enflamme tout ça. On va y voir un petit peu plus clair. C'est verrouillé ici aussi. Si je suis amené à combattre plusieurs spectres en même temps et qui se comment dire, qui se dématérialisent des secondes, ça va être très très compliqué. J'imagine que ça doit ouvrir les cellules. Bah, bien sûr. J'ai pas l'impression de me faire piéger là. C'est déjà un peu, petit peu plus normal. Montre-moi ce que t'as dans le ventre.
Non, on peut pas remonter. Donc j'ai l'impression que je suis pas passé à côté de quelque chose. Donc on va continuer à avancer. Ils sont glissants ces escaliers. Par sécurité, s'il y a d'autres spectres, on va induire notre arme d'huile contre le spectre. Voilà. Fallait les chercher ces plans. C'est peut-être pas fini. Ah oui, c'est pas fini. C'est pas toujours de chance. Mais merde. Il a l'air d'être buggé celui-là. Ouais bah voilà. Non, faut pas que je me concentre sur celui qui est buggé. Ok. Je ne pas que c'était c'était aussi mal fichu comme ça ici. Bon, on a l'armure. Est-ce que j'ai envie de refaire le chemin en sens inverse? Pas vraiment. Qu'est-ce que je n'aime pas ce passage? Non! Non mais c'est foireux quoi, j'ai jamais voulu ça! D'énergie. Oui, j'ai le signe juste à côté. Allez, on part de cet enfer. Donc après, ça sera ici. Le TP le plus proche, il est là. Allons-y.
Tiens. Emdal veille sur le clan Tuircer. Bonjour. Bonjour. Vous permettez que je jette un œil à vos herbes ? Qu'est-ce qui me manque ? Il me manque de l'ion. Ça m'étonnerait qu'elle en ait. On va vérifier. C'est pas ça. Ouais, elle en a pas. Je suppose que je pourrais en obtenir. Ensuite. C'est surtout des mutagènes là qui me manquent. Hein. Sens noir, ok. L'essence noire, elle en vend ? Non plus. À la prochaine. Au revoir. Et je dois pas avoir assez de liqueur pour toutes les recettes, ouais. Je préfère attendre d'avoir toutes les huiles au maximum avant de faire ça. Parce que les huiles sont très utiles. J'utilise beaucoup plus. J'utilise beaucoup plus les huiles que, que les potions. Ah, c'est toi. Le premier étranger à participer aux chevauchées héroïques. Il reste encore de la place pour cette course, si tu veux. Bah ouais, on veut bien. Pourquoi pas? J'ai un bon pressentiment. Eh bien, on va voir si tu chevauches aussi bien que tu pressens. Ah, c'est bien répondu. Écoutez-moi tous. La course va bientôt commencer. Pour la gloire de Freya, Oswald la Flèche, Svan le Solitaire et Geralt de Rive vont s'affronter. Ah, quand il connaît le nom, c'est pas présenté. Distance, étranger. Bah justement, laisse-moi passer devant, comme ça on aura de la distance. Personne n'est plus rapide qu'Oswald, la Flèche. Garde de distance, étranger. Ça va devenir répétitif. Personne n'est plus rapide qu'Oswald, la Flèche. Tu as gagné, comme tu l'avais annoncé. Tiens, voici ta récompense. Ok, d'expérience, des couronnes. Ça a l'air d'être très bien, ça. Soixante au niveau de panique, on est à combien ? 40, super. Voilà. Bon, on est où, final ? Ici. Bah, j'ai pas d'autre choix que de voyager, de remonter vers le nord.
donnera une route parce que là je suis perdu, je sais pas où je suis. Cette route là elle mène vers le nord. Ce serait pas un marchand itinérant? Et vous approchez, jetez un œil. Si, mais c'est un marchand qui marchande pas, qui fait pas de commerce. Tout droit ou par la droite? Par la droite. Ensuite. Plus vite. Quand on demande, oh, bon, on va s'en charger. Bonsoir, Harry. Alors tu t'es mis sur quoi cet après-midi? Ouais, mais du coup, je comprends pas. Ça veut dire que t'as fini le jeu et t'en es très content? Ou finalement, t'es dégoûté du jeu? Ou t'as juste fini le jeu? Refranck. Donc on n'a pas fait la mission, alors on s'est arrêté où? On s'est arrêté sur une petite île de Skellige, ici. Il y avait une mission niveau 30 de la tour. En finissant le live, au début j'ai dit qu'on allait la faire, et puis je me suis souvenu qu'on a un équipement de niveau 20. Sachant qu'on a pas, on a quelques points de compétences qui n'ont pas été attribués. On attend d'avoir une armure lourde. Donc je me suis révisé et on a parcouru un parcours. Oui, c'est vraiment un parcours avec des monstres. Pour arriver au sommet, finalement on est redescendu, on a refait le chemin. Vous voyez, il y a une sorte de deux chemins qui sont presque en parallèle. Celui qui est un peu plus au nord, il faut arriver à un sommet. Et à un moment donné, il faut prendre le chemin par le nord. Et on permet de rejoindre ce chemin-là, là, qui est à moitié effondré, qu'on ne peut pas emprunter pour une certaine section. Il y a un donjon, ça vous amène à une profondeur, à un sous-sol dans le donjon. On combat des spectres et on récupère les plans de niveau 1 de l'école de l'ours, donc qui est une armure, un set de sorceleurs en armure lourde. Donc on a toutes les pièces tous les plans des pièces d'armure. Maintenant, ce qu'il nous faut, ce sont les lames en acier et en argent. Je l'avais dit, Harry. Hein. En fait, ce qui est bizarre, c'est que les licences Marvel sont quand même magnifiques. Et j'ai l'impression que les jeux qui sont réalisés depuis quelques années sur les licences Marvel, en grande majorité, sont ratés. Ah, il y a des monstres. Des gros monstres. Tu l'avais payé combien le jeu? Au prix des jeux, je trouve que quand même, ça fait assez mal. Ah ouais, mais ça fait quand même 20€ de jeter par la fenêtre, quoi.
Et un dernier point aussi, c'est que les éditeurs qui vendent ces jeux pas finis, mal faits, tout un tas de raisons, eux, dans leur bilan, ils prennent pas en compte, ils font pas des sondages auprès des consommateurs. Eux, ce qu'ils voient, c'est le nombre d'unités vendues. Donc le fait que vous ayez pas fini le jeu parce que vous l'aviez trouvé naze, ils s'en foutent. À partir du moment qu'ils ont un volume de vente important, bah, ils se disent bah on a un super retour sur investissement, on a gagné plein de pognon. Et ben on va recommencer, puis c'est tout. Tant que les gens, à un moment donné, diront on arrête d'acheter ces bouses et puis ils vont faire leur jeu à perte. Et soit l'éditeur, à un moment donné, bah, il disparaît. Et malheureusement, les gens, bah, ils vont être virés. Mais ils vont. Peut-être que même en plus, les développeurs, ils sont dégoûtés de produire ces bouses-là, quoi. Parce que moi, je reviens par exemple à Assassin's Creed Valhalla. C'était une honte commercialement. Ils nous ont sorti plein de bullshit. Super jeu, next gen. Il n'y avait rien de next gen dans le jeu. Il y avait des combats de boss qui étaient buggés. L'IA, on avait les mêmes défauts d'IA qu'on avait dans les précédents. Avec le syndrome de file d'attente dans les combats qui était pire qu'avant. Parce que ils ont voulu faire un système de combat à la Dark Souls. Ils ont dû se rendre compte que ça ne fonctionnait pas. Donc ils ont été obligés de amplifier le système d'attente des adversaires. Ça devenait franchement ridicule. Des quêtes mal faites, niveau pipi caca. Enfin, c'était affreux, quoi. Mais c'était la licence la plus vendue. Bah voilà. Allez, Je comprends, hein. C'est toujours bon d'avoir son propre jugement. Maintenant, quand tu vas sur certains sites qui te donnent une note de 18, site dont je donne pas le nom, hein. Et t'as les joueurs qui donnent un 10, tu te dis que c'est déjà bizarre. Tu vas sur le Metacritic, tu vois le Metacritic des joueurs qui est pas bon, tu vois les critiques de certains sites qui, eux, ont tendance à être plutôt bons dans leurs analyses, qui est complètement différent. Après, tu regardes quelques influenceurs qui racontent pas des conneries, parce que, en plus, ce qui est fou, c'est que, notamment, ces jeux-là, hein, c'était pas celui-là, c'était un autre Marvel qui était encore pire. Bah, t'avais des influenceurs qui étaient en train de faire les clowns pour continuer à captiver leur audience. Et pourquoi ils faisaient ça? Parce que le jeu était tellement naze, était tellement buggé, que fallait qu'ils surjouent pour que leurs viewers restent à regarder la dope qui était ce produit, quoi. Après, ça n'empêche pas qu'un jeu peut être pourri. Que vous aimez l'univers ou pour diverses raisons, vous l'appréciez. Mais bon, j'ai vu certaines critiques. Ça me paraissait pas intéressant, ma raison. Là, ou pas. Et tu vois, par exemple, ça me fait penser au Spider-Man, quoi. Spider-Man, qu'est-ce que j'ai été déçu. Je m'attendais à quelque chose de nettement mieux. Bon, pas que l'univers Twitch, hein. Toute la sphère où t'as des influenceurs. Hein. T'as des gens qui sont très honnêtes et t'en as, bah, je vais pas les juger. Ils sont là pour faire un spectacle. Bah, ils font le show. Et c'est leur gagne-pain et je vais pas les juger. Oh merde, des loups. Et Franck, toi, apparemment Franck il a recommencé, mais j'ai pas bien compris en fait ce qu'il a identifié comme la cause de ces plantages. J'avoue que j'ai pas bien compris. Il m'a semblé
comprendre que c'était la plateforme sur laquelle tu jouais qui posait problème. Très utile hein, les bombes contre les loups, les chiens, les bombes de poison. Ça fait partie des ongroïdes, ça, oui, les ongroïdes. Bon, je dirais pas ça, c'est pas facile, hein. Quand même, faut se mettre à la place de ceux qui streament. Parce que c'est leur seule source de revenus. Et du jour au lendemain, ils ne peuvent plus rien avoir. Et ce que je comprends hein, sur Twitch. Et tu peux avoir une communauté qui peut être extrêmement volatile. Donc c'est pas si facile que ça. De toute façon, quoi qu'il en soit, sur cette chaîne, on se prend pas trop la tête. Si un jeu est pas bien, on le dit. On va pas raconter des cracks. Si un jeu a des défauts mais qui me plaît, bah, je vais le dire aussi. Et puis le but, c'est de passer un bon moment dans une ambiance cosy et chill. C'est pour ça que quand il y a des gens qui foutent la merde, bon, on le dit gentiment une fois, deux fois, puis après, bon, au revoir, et puis voilà. Ça va être plus compliqué là. Aïe. Donc du coup après les gardiens de la galaxie, tu vas jouer à quoi? Montre-moi ce que t'as dans le ventre. T'as pas envie de tester The Witcher 3 en 4K sur ton écran magnifique en ray tracing? Et puis en plus avec la super carte graphique que tu as, ça devrait tourner du feu de dieu. Si vous me permettez l'expression. Alors? Alors? Faire attention, hein, par moment il y a des méchants bugs hein, quand même. Je sais pas ce que j'ai comme huile. C'est contre les ongroïdes ou non? J'ai un doute. Alors? Merde, lis tes commentaires, je vais crever. Non, puis surtout, c'est que quand on connaît le jeu, au début, la scène très intime entre Gérald et Yennefer, Ciri dans le tuto, c'est juste génial quoi.
J'ai découvert un truc, je sais pas si c'est une connerie. On testera à l'occasion. Il y a un endroit dans Velen où il y a plein de vaches. Et si on les tue trop fréquemment, ça fait apparaître un super monstre. Je sais pas si c'est un fake ou si c'est vrai. Et à l'occasion, on testera. Et Franck, moi j'ai cru que t'as trouvé le dépaysement des îles de Skellige très agréable. Ah bah écoute, hein, fais-toi plaisir et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Surtout que là, au moins cette année, on va peut-être avoir beaucoup de jeux intéressants. Hein. Bah, s'il y a un jeu que j'attends, c'est Baldur's Gate 3. Mais je me dis que ça va pas être un Baldur's Gate comme le 1 et le 2. Stalker 2. Il y a le jeu de Bethesda. Je suis curieux sur le jeu de Bethesda. En espérant qu'il nous fasse quelque chose de vraiment original. Pas comme Fallout 4 ou Fallout 76 qui était encore plus honteux. J'aurais pas des bombes là parce que contre ces deux saloperies c'est un peu compliqué. Est-ce que vous avez vu le bug sur la chaîne YouTube? Ouais, j'espère que l'Ariane Studio va pas nous faire un clone de Divinity Original Sin. Forcément, ça va être... Ils vont s'inspirer de ce qu'ils ont fait sur Divinity Original Sin. Merde, assez con ce que je viens de faire. Mais j'espère que ça sera pas ça, quoi. Et puis Divinity Original Sin, j'y joue peut-être comme un pied, mais qu'est-ce que c'est dur. Les choix, faut vraiment bien les penser, hein. Sinon, on les paye cash, hein, et très très vite. Hein. Alors, Franck, Skellige, ça change, ça fait plaisir après être resté je ne sais pas combien de temps sur la première zone. Il
On va peut-être pas se faire toutes les saloperies du coin non plus, sinon on va pas en finir. Ça repop ? Ah non non non, on va pas faire que ça. Désolé mais... Déjà on va méditer parce qu'il y a des... Je crois qu'il y a des choses assez dangereuses un peu plus loin. Donc cette année, il y a quoi comme jeu ? Il y a Red... non. Je dis des bêtises. Dead Space Remaster, j'espère qu'il sera vraiment bien. Il y a un jeu, j'y crois pas trop, mais on aurait GTA 6, ça pourrait être sympa. En espérant que Rockstar modernise un peu son gameplay. Stalker 2. Il y a le jeu de la Team Ninja, Wulong Dynasty. Fallen Dynasty, je crois. Il y a le Star Wars. Star Wars Jedi Survivor. Il y a énormément de choses là dans les 3 mois là, qui arrivent. Stalker 2, mais on ne sait pas s'il sortira cette année. Ou s'il sort cette année, on ne sait pas quand. Et bien sûr, le jeu de Bethesda, Starfield. Ah, The Last of Us. Ah oui, aussi, oui, The Last of Us. Alors, c'est un jeu un peu d'horreur, hein, The Last of Us, mais c'est surtout un jeu à histoire. Par contre, franchement, c'est un vrai défi de ne pas chialer à la fin de The Last of Us. Hein. Franchement, c'est chargé à la fin de The Last of Us 1. Émotionnellement. Ouais. Exactement. Oh là là, là ça va être la cata. Les gargouilles, c'est là. What? Ah bah en plus il s'est bugué. Et vous avez vu, on l'a frappé hein. Je sais pas pourquoi le jeu a ciblé la gargouille qui était à 200 mètres. Ah, The Last of Us, c'est plus chargé que ça. Hein. Enfin, personnellement, hein. Le dernier chapitre...
Non, 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 on va être. On va pas être trop gourmand. Les gargouilles, j'ai vraiment du mal. Vous voyez là, on l'a tapé. Voilà. Bah pareil. Possible, c'est à moitié buggé. Il y a une astuce sur les brumes là. Et ça va rendre le combat bien plus facile, Franck. Tu vas dans le bestiaire, si tu t'en souviens pas. Donc les brumes là font partie des nécrophages. Donc déjà, si t'as de l'huile niveau amélioré déjà contre les nécrophages, c'est bien. Et on va aller sur les nécrophages, les brumes là. Et tu vois, ils sont sensibles à la poussière de lune. La poussière de lune, ça leur fait pas de dégâts. Sauf que si tu utilises cette bombe, ça les empêche de se transformer en brume. Et ça rend le combat bien plus facile. Ensuite, sur les brumes là, il y a en termes de moveset, ils donnent assez fréquemment un premier coup et un revers. Donc, attends qu'ils donnent les deux coups. Et après, tu attaques. Ensuite, tu attends qu'ils redonnent les deux coups et tu attaques. Et ainsi de suite, et ils vont par tomber. Et si t'as le signe de Queen en plus, c'est très bien parce que le signe de Queen, ça absorbe une attaque. Ça absorbe 100% des dégâts d'une attaque. Il est suffisamment puissant. Donc la bombe, comment elle s'appelle? La bombe lune machin chose. voilà. La poussière de lune supérieure. Ça les empêche de disparaître. Tu te mets un signe de Queen pour t'absorber les dégâts. Dès que tu t'es fait taper, tu recules. Tu attends que tu puisses reposer un signe de Queen. Tu le reposes, tu reviens. Et quand tu les attaques au corps à corps, tu attends qu'ils donnent le premier, le deuxième coup. Là, tu tapes et ensuite et ainsi de suite et tu vas aller tomber. Nani ? C'est un ninja, le... L'élémentaire de glace. Il est passé où? Ouais, c'est quand même un petit peu buggé, là. Hein. Il y avait un élémentaire de glace. Vous l'aviez vu, l'élémentaire de glace qui était au loin? Il est passé où? Bon, bah voilà. Il nous manque encore... Deux schémas. Ok. Sauf que là, on est au bout du monde, là.
Les Brumelins, oui, ils sont assez difficiles. Mais avec la technique que je viens t'indiquer, Franck, tu vas voir que ça simplifie beaucoup le combat. Puis après, c'est une petite question d'habitude aussi, d'entraînement. Tiens, on l'avait pas vu la ruine en haut. Peut-être quelque chose. Un coup de bol. Et en jeu foutage de gueule, hein, je sais que j'en parle assez souvent, mais en thème, c'était une véritable arnaque. Ah, c'est pas tout à fait ce que j'aurais voulu faire. Ce que je cherchais, c'était une bombe incendiaire. Bonne nuit Harry, bonne nuit, à demain soir. Si on revient sur l'histoire des Brumelins, est-ce que tu avais vu le combat contre le boss Brumelin, Franck? Excusez-moi. Oh. Bah, j'avais utilisé lors de ce combat-là, j'avais utilisé les poussières lunaires ou poussières de lune, je sais plus comment ça s'appelle. Et ça a rendu le combat très simple.
Bon. Déjà, les sirènes sont des hybrides. Voilà. Enfin, un peu plus de dégâts. Ils attaquent pas, ça m'arrange pas. Un peu galère là. Si elle pouvait charger, ça serait bien. Le problème, c'est que je la vois même pas là. Ah, c'est affreux. Marche pas. Eh ben enfin. Des spectres maintenant. Non. Voilà. Alors, les essences des spectres doivent être au-dessus. Bizarrement, mais... Pourquoi, j'en sais rien.
pour accéder au contenu, voilà. Et il y a un nid à détruire. Une nuit des sirènes, il est là. Je sais ce qu'il me reste à faire. Allez, il y a une nouvelle sirène à combattre. Ma collection de plantes pourrait-elle vous intéresser ? Mais il y a une plante qu'on cherche. Et il ne l'a pas. Ouais, il l'a pas. Il a pas assez d'or en plus. Adieu. Je vais te dire. Sans toi, je sais pas. Oh ! Alors, il nous reste un plan à trouver. Il est où ? Heureusement qu'on a eu la mise à jour de la carte. Hein. On s'y rend parce que c'est vraiment loin. Sinon, faut prendre le bateau, faire tout le trajet. Et en plus, c'est des petites barques. Donc, si la barque encaisse des dégâts, elle peut finir au fond de l'eau. Je vous vois venir. Quel bon vent vous amène. Jetterai volontiers un coup d'œil à vos articles. Je voudrais me changer un peu les idées, en jouant au Gwent, par exemple. Ça m'arrange pas, ça. Ça serait bien d'avoir minimum un espion, quand même.
Ça s'engage mal. Hein. Ça s'engage très très mal. Je la sens pas du tout cette partie. L'étau. Je vais essayer de gagner la première manche, ça me paraît compliqué. Bon, au moins on aura un espion à la manche suivante. Faudrait qu'il mette des... Il a passé. Ok. Ouais, il a l'avantage. Plutôt pas mal. On se rattrape très très bien. Là, ce tour-là, on va, cette manche-là, on va le laisser à notre adversaire. On se prépare pour gagner la suivante. Surtout s'il y a des... consomme toutes ces cartes-là. Nickel. Ça, c'est moyen, ça. Carrément moyen, parce que là, il est en train de gagner plein de cartes avec ses espions. Magnifique. Il fallait que je m'y attende. Pas grave. Il est 10 points de dégâts sur la première ligne. Et mets une autre carte. Et je détruis ta carte à 7 points de dégâts. Il veut pas. On a gagné de toute façon. Ça va faire de belles flaques. Il y a un contrat ici. On va le récupérer.
On va pas le faire. On récupère juste la quête. Oh, le diable m'emporte. Vous n'avez pas l'air d'un gars qui marchande. Non, sans déconner. Montrez-moi ce que vous avez et on verra. Je ne sais pas si j'achèterai quelque chose, mais je ne dirai pas non à une partie de Gwent. C'est bien joué. Je gagne facilement la première manche. Ah, un espion, super. Un rez, c'est très bien ça. Ouf, oh là là, on va faire un carnage. On va faire un carnage. C'est très bien, on va pouvoir le ressusciter à la prochaine manche. On va le laisser gagner. On le laisse gagner ou pas? Allez, on dépense une autre carte histoire de lui mettre un peu la pression et puis on va passer. Là, l'adversaire va être obligé de poser des cartes sur le board. Sachant qu'on a un lavant. Ah bah super. Ça l'oblige à utiliser le bonus. Magnifique. Et voilà, c'est plié. GG !
Alors là, on fait beaucoup d'explorations. Hein. Après, ça va être complètement l'opposé. On sera à fond sur les quêtes. Allez, un petit tour chez le barbier. Ah non, c'est lui le barbier ? Que puis-je pour vous, voyageur ? Pourriez-vous me couper les cheveux ? Ils cachent ma vision. C'est pas crédible par rapport à sa coupe. Juste un rasage. Adieu. On va aller voir à la taverne si on peut acheter les alcools. Maudits soient les escargots noirs. Salutations, étranger. On cherche une distraction. Un verre ? Quel type de distraction avez-vous en tête ? Bière, hydromel, alcool fort. Qu'est-ce que vous voulez de plus dans une taverne ? Du saut à la corde ? Je sais pas d'où vous venez, mais ça doit être bigrement loin. Montrez-moi un peu ce que vous avez. Que diriez-vous d'une petite partie de Quint ? Super, elle sera dans notre cimetière. La prochaine manche, on pourra l'utiliser, cet espion. On gagne cette manche facilement. Magnifique.
forcément. Ce qui n'est pas pour m'arranger. Il détruit pas ces deux cartes là, c'est foutu pour l'IA. C'est foutu pour l'IA. Ok, on a gagné une carte. Il nous reste encore un plan. Il est où? D'accord. Elle est là pour une raison précise. On s'en sort plutôt pas mal, hein, parce que ça fait un bon moment là qu'on n'a pas eu de fail. Il me semblait qu'il tirait sur Ablette. On a un archer qui tire dans le vide. Ah, je l'avais pas vu. Saleté d'archer. Il y avait une insulte, j'ai juste entendu le mot book. Je me demande bien ce qu'il pouvait vouloir dire. Vous n'apprendrez donc jamais.
Il en reste encore un. Suite. La charogne. Les nécrophages. De sirène, une sirène immense. Ah, il y a un contrat de sorceleur. Là, voilà le marié. On va lire le contrat. Niveau 19. Au village du clan Brockwar de Spikerog, Gérald acceptait une mission de sauvetage. Un certain Kevan offrait une prime pour retrouver un homme qui avait quitté sa fiancée. Mais celle-ci, Brit, affirmait que son bien-aimé a été enlevé par un monstre. Durant son séjour sur l'île de Spikerock, Gérald découvrit une caverne dans laquelle il remarqua des traces inhabituelles. Soupçonnant la présence d'un monstre, il décida d'enquêter. Ah, c'est pas ce que je souhaitais faire. Et vraiment pas. Mélusine, la redoutable maîtresse des mantes des abysses. À l'évidence, on lui a voué un culte ici.
Pourquoi mon personnage il peut pas sélectionner une torche? C'est un baril explosif, ça. Donc le contrat nous a dit que c'était une sirène. Une sirène, ça fait partie des hybrides. On se prépare. Lâché de très haut. Qui cela peut-il être ? Alors c'est très bien. Il y a peut-être des choses à récupérer là ou là dans les nids. Non. Non. Alors, on va récupérer notre récompense, mais en même temps, vu qu'on est là, chasse au trésor. Il doit avoir un équipement et par ici de l'école de l'ours. Peut-être dans la grotte. On peut toujours pas utiliser de torche, c'est magnifique.
Bon, si on peut pas utiliser de torche, on va utiliser une potion. C'est laquelle? Celle-ci, je crois. Non? Ah si, oui, c'est celle-là. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Oh, j'ai fait une connerie. C'était quoi en bouffe? Je sais plus. En fait, je veux pas le sélectionner un emplacement pour la potion, je veux la consommer. Voilà. Premier set complet de l'école de l'ours. Par contre là on va méditer parce que la vue dans les ténèbres bah c'est juste affreux de jour. Et donc on va sélectionner la quête de chasse de monstres. Ça s'appelait comment déjà? Je me souviens plus. Voilà le marié. Voilà. Marié qui s'est fait triper. On va aller rendre la quête. Ah, des loups. Ouais, ça fera toujours un petit peu d'XP. Surtout qu'on a des bombes de poison. Enfin, ça fera de l'XP tant qu'on crève pas. Et ils ont l'air d'être assez nombreux là. Je suis peut-être un petit peu. Engagé trop vite. Mais
Bonne nuit, Moustoir. Ils sont un peu nombreux, là. Ils sont un peu trop nombreux. Si on les gelait. C'est l'horreur là, c'est l'horreur. C'est la première fois qu'on a une meute aussi, aussi énorme. Il y en a encore un ? Ouais, il y en a encore un apparemment. Ouais, utilise un maximum, au maximum les bombes, tout ce que la chimie peut t'apporter. Hein. J'utilise pas assez les potions et je devrais. Oui, il y en a un qui a ta câblette. Vous n'êtes pas d'ici, ça se voit. Quel bon vent vous amène à Spikog. Il paraît que vous avez du travail pour un sorceleur. Ouais, la frangine me donne des ulcères à force d'insister. Alors, j'ai mis un avis pour la calmer. Mais franchement, je m'attendais pas à une réponse. De quoi est-il question ? C'est le fiancé de ma sœur, il a disparu. Les gens disent qu'il s'est tiré. Ma frangine, elle dit qu'elle a vu un monstre le prendre. Je suis tombé sur une vieille échidna dans une caverne du rivage. Coriace, mais elle a son compte. Dangereuse, ces cavernes. Dans le temps, les gens d'ici faisaient des sacrifices à Mélusine. Alors comme ça, Brit disait vrai. Une échidna a eu son nix. De quoi j'ai l'air de pas avoir cru ma propre sœur.
Tenez. Toute peine mérite salaire. Adieu. On va aller à Cartrol maintenant qu'on a l'ensemble du set de l'ours. C'est où Cartrol? C'est ici. Et on va le faire fabriquer. Jetez à l'œil. C'est bon, qu'est-ce qu'on raconte sur toi? Surveille tes manières. Ainsi vous revoilà. J'avais raison, hein? Je jetterai volontiers un coup d'œil. Alors, armure de l'ours. Niveau 20. Ça m'embête de changer une armure de niveau 20 pour une autre de niveau 20. Donc on va attendre d'avoir la version améliorée de l'ours. Et là, on fera le changement. Ouais, c'est pas intéressant. Ouais, c'est pas intéressant, si. Adieu. Alors, enquête. On a des quêtes secondaires de bas niveau. Le Knitting. Sur Skellige, Gérald rencontra un homme au désespoir dénommé Lothar. Quelqu'un avait accablé son fils d'une puissante malédiction qui l'entraînait chaque jour plus près de la tombe. Pardon. Le sorceleur comprit qu'il lui fallait lever le sortilège avant qu'il soit trop tard. Alors, c'est où ça? Donc là, qu'est-ce qui me manque? Vermillon. Il manque du vermillon. Du rubido. Vermillon, rubido. On va faire ça déjà. Donc un vermillon et un rubido. Ah, il manque du gui. Bon, on va l'acheter le gui. Oh oh. Nordien ? Il n'y a rien pour vous ici. Bonjour. Bonjour. Vous permettez que je...
Cette quête est un petit peu spéciale, donc si vous souhaitez un conseil, ça serait de commercer dès que vous pouvez avec cette PNJ. Un kébrite. Un redis. Kébrite, redis. La rubédo. On va vérifier. Rubédo. Et il y avait autre chose, il me semble. Non, juste un rubédo. Ok. Un rubédo. Voilà. À la prochaine. Au revoir. Les gars comme toi, je les flaire à une lieue. Les gens comme toi, je les ferai une vieille. Ça veut dire quoi, ça? Freya, par pitié, qui me succédera si Tiag meurt? Qui permet? Je peux vous interrompre. Oui, mes prières sont vaines, de toute façon. Vous avez un problème avec une malédiction? Oui, regardez. Vous voyez la tête de cheval sur cette pique? C'est un Itting. Une sorte de malédiction. J'ai déjà vu ça. Ils apportent le malheur, voire la mort. Oui. Et le nom gravé sur la hampe est celui de mon fils aîné, Tialf. Il brûle de fièvre, et il s'affaiblit de jour en jour. Si on ne fait rien, il sera mort bientôt. J'ai essayé de lever la malédiction, en vain. Je peux vous aider de deux manières. Je peux essayer de convaincre la personne qui a lancé la malédiction de la lever. Ou bien je peux retourner la malédiction contre elle en gravant son nom sur la hampe. Dans les deux cas, je dois savoir qui est responsable. Mais je n'ai pas d'ennemis. Je n'ai jamais fait de tort à quiconque. Je vois. Il va falloir que j'enquête. La piste est fraîche. Je devrais jeter un œil aux alentours. Un Itting, une puissante malédiction. Il y a un nom gravé sur la hampe. Tialf, fils de Lothar. Tiens, qu'est-ce que c'est? Un châle de femme. Parfumé. Et donc là, on va suivre... Ouais. Ok, on va suivre la trace of Altive. C'est pas toujours facile. Et pas toujours... pas distincte. Et Bambi. Il y a trop.
piste s'arrête ici. Je devrais essayer de me renseigner sur ce châle. Tu es belle comme une vieille brebis. Armé d'un seul couteau. Si vous entendez quelque chose dans les bois, Oula. Je sais pas ce qui lui arrive, mais il est pas bien le monsieur. Je me demande bien ce qu'ils sont devenus, ces beaux gars de Pharaon qui sont partis chercher un trésor dans les ruines. Besoin d'aide ? Je sais pas. Tu sais pas mettre un pied devant l'autre ? Pourquoi tu dis ça ? Bien le bonjour. Vous cherchez... Montrez-moi. Adieu. Alors ça, si c'est pas du bug, on était dans le village, on se retrouve là. Franchement. Bravo. Truc de dingue. What? Des fois, il y a des choses qui sont très très bizarres dans le jeu. J'ai l'impression qu'avec le patch, il y a eu quand même une bonne dose de régression. Drôle d'oiseau. Oh, qu'est-ce qui pue, c'est Aaron. Si t'aimes pas l'odeur du poisson, pourquoi t'es devenu pêcheur? Ça s'est fait comme ça. Dans la famille, on pêche depuis toujours. Chez moi, c'est pas une tradition familiale, mais... Vagabond. Parce que là, c'est vraiment bizarre, hein, au milieu du village, et puis d'un seul coup... Oh, ma grand-mère m'en avait parlé. On est 200 mètres plus loin, au milieu de nulle part. Tu comptes rester longtemps? Tu te plais ici? L'air est mauvais sur le continent. Rochez donc, étranger. Sorceleur, hein. Alors, qu'y a-t-il ? Bonjour. Bonjour. À la prochaine. Au revoir. On l'a trouvé dans la baie. Augustine s'était régalée. Tout ça pour avoir. Quelque chose qui m'échappe. Objet de quête. Hein ? Et avec ce bandit ? Pas possible. Vous êtes Oden ? Oui, Da. C'est pour mon fiston ? Désolé, je ne peux pas m'en occuper. Au revoir. J'imagine que ça doit être une quête de sorceleur avec lui. Le fils disparu. Ouais, c'est ça. Hmm? Je suis occupé. Tu comptes rester longtemps. Salut. Que me voulez-vous ? Des conneries sur une Alric. Il paraît qu'il parle avec les dieux, comme je te parle. Bonjour. Bonjour. Non, non, c'est un gosse que... C'est au gosse que je voulais causer. Désolé, je ne peux pas m'en occuper.
Non. Ah, voilà, la petite fille. Allez. Vous faites pas vraiment peur. Hey, oh. Besoin d'aide? Ah ouais, y a personne qui veut me causer? Tu viens de loin? Oui. Que voulez-vous? Vous pourriez me dire à qui appartient ce châle? Bien sûr. C'est à Yona, notre herboriste. Elle habite la cabane là-bas. Elle sera sûrement contente de le récupérer. Aucun doute là-dessus. Ah, c'est pour ça qu'il est important de faire tous les achats auprès de l'herboriste avant de faire la quête. J'ai trouvé votre châle près de la maison de Lothar et de votre knitting. Comment savez-vous que... C'était juste une intuition, et vous venez de la confirmer. Vous savez que Tial va un pied dans la tombe. Tant mieux. Ce bâtard n'aurait jamais dû naître. C'était moi la promise de Lothar. Mais il a préféré me quitter pour cette traînée. Il n'a que ce qu'il mérite. Je l'ai maudit, lui et toute sa famille. Vous êtes prête à tuer un enfant par jalousie? Ce n'est pas une question de jalousie, mais de dignité. Nous avons vécu 10 ans ensemble. 10 longues années. J'ai tout fait pour lui. J'ai partagé ma couche avec lui. Et il m'a abandonnée sans un mot. Je suis devenue la risée du village. La pauvre Yona, elle n'a rien vu venir. Je n'ai rien vu venir, peut-être. Mais je n'ai rien oublié non plus. Vous allez lever la malédiction. D'accord. Mais à une condition. Je veux que Lothar déshérite son fils et revienne vivre avec moi. C'est du chantage, ça. Je vais lui passer le message, mais je crois connaître la réponse. Je me demande pourquoi Gérald, il se prend la tête. Hein. Il peut faire du contrôle mental avec ses signes. Il a qu'à faire un contrôle mental. Alors, vous avez trouvé le responsable? Oui, c'est votre vieille amie, Yona. J'aurais dû m'en douter. Elle est rongée par la jalousie. Elle a accepté de lever la malédiction? Oui. À condition que vous quittiez tout pour retourner vivre avec elle. Non, jamais. C'est impossible. Je ne peux pas condamner ma femme et mon fils à la pauvreté. Retourner la malédiction contre elle, sorceleur. Qu'elle crève. Vous méritez peut-être une punition, mais pas votre fils. Très bien. Je vais m'occuper d'elle. Les dieux soient loués. Les dieux n'ont rien à voir là-dedans. C'est une histoire très humaine. C'est l'histoire de géants de glace. Y-O-N-N-A. J'espère qu'elle ne souffrira pas. Alors, ça a marché? Oui. Votre fils sera bientôt sur pied. Et Yona bientôt morte. Merci, sorceleur. 1000 fois merci. Mon fils est la prunelle de mes yeux. Je n'aurais pas pu supporter sa mort. Voici votre récompense. Restez manger avec nous avant de reprendre la route, si le cœur vous en dit. Non, je ne suis pas d'humeur. Histoire de géant de glace. Et donc là, si on retourne au village, je crois qu'elle est morte. Ou bien souffrante, mais elle est plus en capacité de vendre des herbes. On va vérifier ça. Je me demande bien ce qu'ils sont devenus. Les druides ont réussi à lever la malédiction. Mais je sais pas. Mais à mon avis, ouais, elle est plus là. L'autre jour, j'ai fait l'air est mauvais. Et l'eau.
Alors, enquête, qu'est-ce qu'on a ? De fil en aiguille, tiens, déjà. C'est où ? Là-bas ? Ouh, ça a l'air d'être un coin paumé. Dans les bois. Alors, quelle est cette quête ? Vous vous souvenez, c'est l'histoire avec Lambert, le sorceleur, qui cherchait à se venger. Au détour du lacis, plus tristement célèbre, Todi de Novigrad, le sorceleur accepta de s'occuper d'un monstre responsable de plusieurs meurtres horribles sous le couvert de la nuit. C'était un vampire. En bordure de la ville de Novigrad. De prime abord, il était à mille lieues d'imaginer qu'une histoire débutant dans le caniveau allait l'entraîner dans un luxueux manoir. Près des quais de Novigrad, Gérald tomba sur son vieux frère d'armes, Lambert. La surprise de Gérald monta d'un cran lorsqu'il comprit que les kines qu'il traquait l'un et l'autre n'étaient pas la raison principale de la venue de Lambert à Novigrad. Avant qu'un temps mort les autorise à en discuter, les deux sorceleurs durent s'occuper de leur employeur indélicat. Combien de leçons faut-il à un homme avant qu'il cesse de filouter à un sorceleur honnête ? Ce problème réglé, Gérald put enfin parler à Lambert. Il s'avéra que celui-ci avait été lancé aux trousses des individus responsables du décès de son ami, Aiden, sorceleur de l'école du chat. Lambert avait appris qu'Aiden avait été assassiné par les séides, conduits par un certain Jad Carradine. Gérald décida d'épauler Lambert sur la voie de la prochaine. Je suis badé. T'es vraiment un sorceleur ? Qu'est-ce que ce sera ? N'avancez pas trop, le foyer dégage une chaleur intenable. Qu'avez-vous avant ? Ah, artisanat, on va réparer quand même. On a peut-être besoin de réparation, non. Du coup, on va jouer au Gwent. Je ne dirais pas non à une petite partie de Gwent. Direct, hein, Jasquier, eh ben.
Pas trop quoi faire là. Je vais passer. Je peux pas faire grand chose à part mettre les cartes sur, sur le plateau. Bon, allez. Une série directe. Je suis pas bien là. J'espère qu'il a des cartes inutiles. J'ai combien de points là? 15. Bah, c'est foutu. C'est foutu. Qu'est-ce qu'il y a égalité? Je crois que l'avantage est pour l'IA. Qu'est-ce que ça sera? Je ne dirais pas. On va réciter Dijkstra. C'est moyen ça. Ça me sert à rien même. Quoique. Si, ça va me servir. Ça va me servir. Les 4 élites sont affectées par aucun effet.
Donc c'est pour ça que leur DPS n'est pas réduit à 1. À cause du gel. Je pourrais presque passer là. Vu la différence de points. La différence de cartes en main. Et et on va arrêter là pour ce soir. Oui, on va arrêter là pour ce soir. Un sorceleur. Bon, on avance bien, hein. Toujours pas de fail. Des fois, ça se joue à pas grand chose, mais on tient bon. Je vous remercie de m'avoir accompagné. Merci Moustoir, merci Harry, merci à toi Franck. Merci également à ceux et à celles qui nous regardent en coulisses. Merci Franck, bonne nuit à toi, bon courage pour demain. On se retrouve demain soir pour le prochain épisode sur The Witcher 3. On avance bien, mais je pense qu'on n'avancera pas suffisamment pour le finir en deux semaines. Parce que je pense que il nous faut encore facilement au moins deux semaines pour peut-être pour finir le jeu de base. Je dis bien peut-être, hein. Parce que sur Skellige, il y a beaucoup de choses à faire. Après, il y a des quêtes qui sont assez longues. Et qui sont vraiment axés sur l'histoire principale. Le premier add-on, donc le premier DLC, je pense qu'il faut à peu près une semaine de. Ça va durer à peu près une semaine. Le second, je pense que ça a duré deux bonnes semaines. Deux semaines. Et donc on a encore à peu près un mois. Donc ça veut dire que je pense que mi-février, on aura fini avec The Witcher 3. Et après, très certainement, on fera Dead Space Remaster. Et j'espère que le jeu sera très très bien. En tout cas, quand il était sorti, c'est un jeu qui a surpris par sa qualité, son ambiance et son gameplay. Donc, et a priori, l'éditeur a mis les moyens pour produire quelque chose de qualité. Maintenant, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise, mais je suis assez optimiste quant à la qualité intrinsèque du remaster de Dead Space. Merci à vous tous encore, bonne nuit, et puis rendez-vous demain soir, même heure, pour la suite de The Witcher 3 Next Gen sur Skellige. Merci à tous, bonne nuit, et à demain. Ciao Franck.